Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude des exercices de boxe française gymnique de Henri de Jarry de Bouffémont. Et nous allons aborder la 13e leçon. Une 13e leçon qui va implémenter, faire rentrer dans la vision un peu plus globale de la boxe française traditionnelle. Ben, vous allez le voir, un truc qu'on ne voit nulle part ailleurs normalement. Alors, après, je voudrais ensuite, je voudrais revenir sur la vidéo précédente, sur la 2e leçon, où, et je l'entends tout à fait, hein, un avis sur le fait que les techniques en coup de poing que je montre dans la vidéo ne correspondent à quelque chose de débutant ou quelque chose de pas sérieux. Bon, je tiens quand même à rappeler que ce que je vous montre, je ne l'invente pas, hein, je ne fais que lire et retranscrire. Après, il y a de l'interprétation, mais des fois, on ne peut pas interpréter quelque chose qui est bien décrit. Et il faut aussi que certains acceptent que la vérité qu'ils détiennent actuellement sur leur vision de la boxe n'est pas la même vérité qui peut exister 100 ans plus tôt chez les maîtres français ou même dans tout autre art martial. Hein. La vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la même vérité qu'hier, et que c'est pas parce que les méthodes ne sont pas les mêmes que forcément celle des anciens est plus mauvaise que celle actuellement. Les deux se valent, et il faut comprendre bien le contexte de pourquoi certaines techniques sont faites à l'époque et ne sont plus faites aujourd'hui, pourquoi le contexte a changé. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend mieux et on devient un peu plus ouvert et prêt à accepter que les choses ne sont pas monolithiques, elles ne sont pas gravées dans le marbre, et qu'elles avancent, elles évoluent avec leur temps, avec les mœurs et avec les visions sportives ou martiales de leur temps. Finalement, on n'invente pas l'eau tiède, hein. C'est juste qu'il faut accepter que notre vérité ne soit pas forcément universelle en tout point du monde et en tout temps de l'humanité. Voilà, maintenant, cette petite intermède est passée, attaquons-nous à la 13e leçon. En garde. Deux coups de poing. Soulager la jambe. La reporter en avant, feinte de ramasser la jambe de l'adversaire. Coup de pied de figure droit avec la jambe droite. Coup de pied de figure gauche. Volte à droite, coup de pied de figure droit et sauter à gauche en avant. Continuez sur quatre faces. Et voilà la grande nouveauté. On vient chercher à attraper la jambe de l'adversaire. Et oui, quand je vous disais, il y a quelque temps, et je ne suis pas le seul à le dire, que la boxe française traditionnelle n'est pas seulement du pied et du poing. Ça, le pied et le poing uniquement, ça s'appelle de l'adresse. C'est pas de la boxe française. C'est de l'adresse. C'est une spécialisation de la pratique de la boxe française traditionnelle pour devenir meilleur dans le pied-poing. Tout autant qu'il y a le jeu de lutte qui devient une spécialisation de la savate traditionnelle ou de la boxe française traditionnelle, ça devient une spécialisation où on ne fait que de la lutte pour devenir meilleur dans la lutte. Mais la finalité de tout, ça n'a jamais été de séparer les deux pratiques. Et c'est une vision, c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis que, pour ma part, je trouve que c'est une erreur de vouloir compartimenter, contingenter les différentes pratiques, notamment lutte, BF, ou de tout spécialiser, je veux dire. C'est qu'en fait, l'objectif de la pratique martiale française, et je veux dire, et ça a toujours été le cas, hein, c'est d'avoir une personne totalement polyvalente et polytechnicienne, qui soit capable d'enchaîner les poings, les pieds, la lutte, et le combat armé, si y a matière à pouvoir utiliser une canne, un bâton, un sabre, une épée. Et cet petit exercice, il ne veut peut-être rien dire pour vous, mais pour moi, il signifie beaucoup. Ça veut dire que pour moi, il ne faut pas dissocier la boxe de la lutte, il ne faut ni la savate de la lutte, hein. Mais il faut bien comprendre que ce sont des systèmes qu'il faut imbriquer les uns dans les autres. Alors effectivement, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait des petits arrangements, parce que quand on fait de la lutte spécifique, on se spécialise en lutte, par exemple la lutte française, il y a des règles très particulières. Mais ces règles très particulières, on s'aperçoit que, notamment le fait de ne pas attraper les jambes, de ne pas faire de barrage avec les jambes pour faire passer, une fois qu'on en est libéré,
la lutte devient très facile en fait. La lutte française est tellement dure que lorsqu'on la libère et qu'on devient une forme de lutte libre, mais c'est tellement simple parce que c'est... Autrement dit, ça augmente votre capacité à pouvoir réagir et à pouvoir interférer avec votre adversaire. Pour en revenir de tout ça, ce petit exercice qui au final est noyé dans 16 autres, lui il explique très simplement que on peut mêler de la lutte avec de la BF, c'est pas le problème. Et même c'est même plutôt conseillé, soit pour faire des feintes, ou on peut faire des feintes de coups et rentrer en lutte, et voilà, c'est le cours normal des choses. Cet épisode est désormais terminé. Si vous souhaitez apprendre les arts martiaux français, vous pouvez vous abonner et souscrire à ma chaîne privée Le Martialiste que vous trouvez sur le Patreon, le lien est en description. Et par la même occasion, vous m'aiderez à pouvoir m'acheter du nouveau matériel pour pouvoir vous montrer d'autres sources ou pouvoir faire un jour, peut-être, acheter des tapis de lutte et pouvoir démontrer de la lutte à la maison. Bref, vous pouvez aussi nous rejoindre sur l'amicale des arts martiaux français, page Facebook l'école des arts martiaux français, vous nous trouvez sur VK, sur Discord. Alors sur Discord c'est vrai que je suis un peu absent ces temps-ci, parce que vu qu'il s'y passait rien, du coup j'ai plus trop envie d'y aller. Mais bon, si jamais vous y allez et que vous souhaitez discuter en direct, en oral avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ou par mail ou autre, et on peut se caler ça, se faire un petit salon apéro sur Discord, ça peut être sympa. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner, à bien vous amuser, profiter des vacances, profiter du soleil tant qu'il y en a, et puis à la prochaine !